Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue sur la chaîne. En espérant que vous vous portez bien, aujourd'hui nous allons parcourir le top 10 des langues les plus parlées en Afrique. La Terre-Mère, avec ses 1,111 milliards d'âmes, est le second continent le plus peuplé de la planète et aussi le deuxième plus grand continent en termes de superficie, ce qui justifie sa diversité en matière de culture et de langue vu l'immensité de son territoire. Les langues africaines sont catégorisées en fonction de quatre grands groupes dont les langues sont afro-asiatiques, nilo-sahariennes, nigéro-congolaises et khoïsanes. Malgré l'existence de plus de 2000 langues parlées avec près de 250 rien qu'au Nigeria, par exemple, le continent africain comporte une liste de langues les plus utilisées, formant le point focal de notre compilation de ce jour. Numéro 10, le Zulu avec 10 millions de locuteurs. La langue Zulu ou Isi-Zulu est surtout utilisée dans la zone de l'Afrique du Sud. Elle est très particulière du fait de son intonation atypique avec des sons de clic. Pour ce qui est de sa base, le Zulu s'écrit avec des caractères latins et est très utilisé par les médias en Afrique du Sud. Par ailleurs, d'après les ethnologues, c'est une langue bantoue la plus parlée au monde. Elle vient après le Shona. Numéro 9, l'Amharic, avec 18,7 millions de locuteurs. Après la langue arabe, qui est une langue sémantique, l'Amharic est la deuxième langue la plus utilisée dans le monde. Sur le territoire éthiopien, cette langue est considérée comme la langue du travail et s'utilise au quotidien. Ailleurs en Afrique, c'est une langue qui est utilisée par 2,7 millions d'immigrés. En ce moment, on recense plus de 18,7 millions d'individus qui utilisent l'Amharic sur le continent. Numéro 8, le Igbo, avec 24 millions de locuteurs. Le Igbo est la langue maternelle de la population Igbo. On a pu recenser plus de 20 dialectes qui se relient à cette langue, dont l'écriture se base sur des caractères latins. Pour ce qui est de son intonation, l'Igbo est une langue tonale. Numéro 7, le Yoruba, avec 30 millions de locuteurs. Le Yoruba est très utilisé au Nigeria. On parle fréquemment aussi au Togo et au Bénin. Son écriture se base sur des caractères latins et la prononciation sur fond de langue tonale. Numéro 6, l'Oromo, avec plus de 30 millions de locuteurs. Cette langue de type cachistique est très utilisée dans la partie nord du continent africain, au niveau de la zone que l'on appelle Corne de l'Afrique. Toutefois, l'Oromo n'est pas utilisée comme langue officielle chez une nation spécifique. Elle est parlée par les Éthiopiens, des Somaliens, ainsi que des Égyptiens et des Kenyans. Son écriture est également basée sur des caractères latins. Numéro 5, le Haoussa, avec plus de 50 millions de locuteurs. L'Haoussa est une des langues très utilisées dans la partie occidentale et centrale du continent. La population du nord de l'Afrique l'utilise également, étant donné que c'est une langue dérivée de la langue tchadienne. L'Haoussa est ainsi un sous-groupe de la langue issue de celle utilisée dans le Tchad occidental et provient de la famille de la langue afro-asiatique. Cette langue dispose d'entre 23 et 25 phonèmes. Numéro 4, le Swahili ou le Kiswahili, avec plus de 100 millions de locuteurs. Le Swahili est une langue qu'on utilise fréquemment en Tanzanie, en Ouganda ainsi qu'au Kenya. Cette langue fait partie du groupe des langues bantoues et est utilisée principalement par les Swahili. Ce peuple est présent en RDC Congo, en Tanzanie, au Rwanda ainsi qu'au Kenya, Ouganda, Burundi et Mozambique. Numéro 3, le français, avec plus de 120 millions de locuteurs. Le français est une des langues qui se parle un peu partout sur la planète, y compris en Afrique. Cela est dû au fait que beaucoup de pays africains sont d'anciennes colonies françaises. Dans les pays comme le Maroc, le Rwanda, l'Algérie, le Sénégal et bien d'autres encore, c'est une langue courante qu'on utilise même dans le cadre du travail. Numéro 2, l'arabe, avec plus de 150 millions de locuteurs. La langue arabe est la plus répandue sur le territoire africain. Elle est utilisée sur le continent comme langue officielle dans les pays musulmans comme l'Algérie, la Mauritanie, la Libye ou encore l'Égypte et la Tunisie. Elle est aussi considérée comme langue officielle au Maroc, ainsi qu'en Érythrée, au Sahara de l'Ouest, en Somalie, au Soudan, au Tchad et à Djibouti. Numéro 1, l'anglais, avec environ 200 millions de locuteurs. Première langue d'affaires dans le monde,
L'anglais est aussi la langue officielle parlée par les Botswanais, les Rwandais, les Nigérians, les Soudanais, les Sierra Leonais, les Libérians, les Tanzaniens, ainsi que les Ghanéens et les Ougandais. Pour le cas de l'Afrique du Sud, cette langue a un statut spécial et officialisée comme langue nationale, tout comme 10 autres langues. En espérant que vous avez appris davantage avec cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Surtout, portez-vous bien en attendant de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye !